Bonjour, Imagine Earth, la suite de mon let's play, épisode 2 sur cet excellent jeu. Jeu indépendant, jeu en early access, jeu de stratégie, jeu de simulation. Alors, civilisation des planètes. Nous allons donc. Ce jeu est donc développé par Serious Brothers. Alors, on est donc. On continue. On est sur la planète Choma. Et la planète Tuto, ben je l'avais fait. Hein. Et Choma, on va continuer. Voilà. Ah, voilà les missions à faire. Hein. Vendre 2000 idéons. Et ça sera. Ici. Possibilité donc de vendre, d'acheter. Vous voyez, la tradition française se fait de mieux en mieux. Il n'y a rien à dire. On peut assainir, lancer le vaisseau spatial. Là. Alors ici, on a à vendre du charbon pour 3000 euros. Et on peut acheter de la recherche, du budget pour la recherche. Et on peut acheter également des licences technologiques disponibles auprès de ce commerçant. Alors. Construire une colonie atteignant 1,5 million, on est pour l'instant à 350 000. Vendre 1000 goods auprès d'un marchand. Scanner Idean Deposit sur la planète. Ok, on va voir tout ça, tout ce qu'on peut faire ici. Production. C'est des fermes ici. Un entrepôt, sylviculture, base de lancement. Ici les entrepôts. Ici la carrière de pierre. Un temple. Et la turbine thermique à gaz également. Attention à la pollution surtout. Ici, les turbines thermiques à gaz, les entrepôts encore, ici des fermes industrielles, là aussi, et puis là, c'est la ville, hein, le centre-ville. Voilà, le centre-ville. Bon, si vous assainissez, votre population s'en portera que mieux. C'est le plus important. Ici, on a de la vitesse normale, donc c'est bon. Étrange construction. Complexe. Un temple. C'est bon. Alors sachez que dans ce jeu, bon, j'aime bien y aller doucement parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, à voir. On va mettre en l'an pour l'instant. Ici, budget de recherche, 2 points sur 4. Licence technologie, pour l'instant j'ai rien, j'ai 1 en budget de recherche. Et le budget de recherche nous permet comme ça d'avancer. Alors, si on avait fait le traitement du ciment pour les carrières de pierre, les entrepôts frigorifiques pour les entrepôts, optimisation pour la centrale à charbon, le minage, extension de ville de niveau 3, c'est important, exploitation forestière, assainissement, extension de ville niveau 2, stockage de marchandises pour les entrepôts. Alors,
outils. J'ai un point, mais je pourrais peut-être pas le faire, hein, parce que, on va voir. Examiner la végétation, construction énergétique pour les quartiers de la ville, recyclage des matériaux pour les carrières de pierre, culture OGM pour les fermes industrielles, traitement du ciment pour les carrières de pierre, entrepôt frigorifique pour les entrepôts, optimisation pour la centrale à charbon. Moi, je n'utilise pas ça. Donc, examiner la végétation, construction énergétique pour le quartier de la ville, la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation de bâtiments existants avec isolation thermique, et la construction de maisons passives, éco-énergétiques, réduire la demande énergétique globale de vos quartiers. Alors, on peut le faire. Alors, recycler les vieux matériaux de construction, augmentant la production totale, processus gourmand en énergie. Ici, les cultures OGM, la culture de plantes génétiquement modifiées nécessite moins de pesticides et d'engrais, mais sans autre, elle présente un risque pour l'environnement naturel. Bon, ici, le calcaire élargi sur broyé pour former ce matériau de construction important pour notre colonie augmente l'efficacité de l'usine sans roche voisine. On va faire ça. On revient. Et on est là. Très belle planète, hein. On va faire de gros zoomages dessus, ce qui est bien. Alors, démolition, non. Ici, demander un marchand, mais ça, demander un vendeur de tech, demander un marchand, démolition, assainissement. On est sur les veines de charbon, d'accord. Cannes de recherche sur cette terre. Ah, ici, il y a de la pollution. Ici, construire un district net. Ah, c'est une poche de gaz. Ici, minage. Alors, ici, on est sur une turbine de gaz. Ça, c'est quoi ça? Manufacture. On assainit. Là aussi, dans les entrepôts. On va assainir le plus possible, il faut polluer le moins possible, exploitation forestière, il n'y a pas grand chose, mais bon, il y en a quand même. Ça a été fait, ici on peut miner, on verra un peu, il faudra élargir un petit peu. Ici, exploitation forestière, non, c'est pas encore poussé. Alors ici, on vous explique au niveau énergétique, hein, la production du gaz, les stockages, le prix du marché, les coûts de production, les approvisionnements, les consommations. Au niveau production alimentaire, on a de la céréale, le prix du marché, le coût de production, l'approvisionnement, donc des briques, du bois, consommation,
Un quartier de la ville, moins 18, moins 40 de consommation, centre-ville. Et ici, on gère l'or, l'Odéon. Ça nous fait rapporter de l'argent, réserve, capacité. Pour l'instant, on est bon. L'or, ça rapporte des sous, l'Odéon encore mieux. Hein. C'est encore plus intéressant. Alors, dernier message, navigation, classement des colonies, menu du jeu. D'accord. On va augmenter la vitesse. Voilà. Demander à marchand. Alors, il nous reste encore un peu quelques cases. On peut donc faire pousser du bois, de la nourriture, produits énergétiques, inventaire, développement urbain, infrastructure. On va voir ça. Pour l'instant, on va voir avec le marchand ce qu'on peut vendre. Ici, ce serait bien de vendre. Ça nous fait rapporter de l'argent. Alors, on peut acheter une licence, 15 000. Acheter et ici 20 000, non c'est beaucoup. On va faire comme ça. Donc j'ai une, hop, alors un point de technologie dépensé. On va le dépenser sur alors, cette usine produit des biens qui améliorent la qualité de vie de la population de vos villes. Produit dérivé à base de bois, les forêts voisines augmentent sa production alors qu'elle se dégrade plus lentement. Les usines adjacentes reçoivent un bonus. Produit des matériaux de construction à partir de différentes strates de roches et de métaux dans le sol, des matériaux de construction supplémentaires peuvent être obtenus dans des régions rocheuses où il augmente la productivité. Ici, l'ascension permet la construction sur ces parcelles environnantes si suffisamment d'énergie, des denrées et des biens sont disponibles. 100 000 habitants vivront ici et vous paieront des impôts. Et ici, développez votre ville en construction d'un quartier urbain jusqu'à 50 000 nouveaux habitants, vous apporteront des taxes supplémentaires. Ferme d'élevage, la viande produit complètement l'approvisionnement alimentaire de nos villes. Le rendement des fermes avoisinantes est augmenté par l'accumulation d'engrais, traitements médicaux, augmentation du bétail par l'utilisation de drogues. Non. Les enclos extérieurs et l'alimentation biologique permettent le traitement éthique et sain de bovins de reproduction. On va acheter cette licence. Donc, ça, c'est bon. Retour et on va essayer de pourquoi tu tournes, tu restes pas au même endroit. Ah là 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 là. Bon. Ah, ici sur cette parcelle. La nourriture, ferme d'élevage. On va le faire ici. Puisque là, on a ici des fermes industrielles. J'avais dit en mettre deux parce que je ne pouvais pas faire. Je dois faire deux nourritures différentes, donc les animaux plus les fermes. Et ça, c'est très important.
Alors on est à plus 12, plus 21, plus 30, plus 6. L'énergie, c'est ça qu'il faut surveiller. Qui est donc très important. On va monter sa vitesse. Bon, pour les habitants, ça augmente. Vente de l'idéon, ça augmente aussi. Acheter des goods, il faudrait 1000. Il est toujours là. Ah, ben il est parti. Maintenant, il n'y est plus. Ok, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'énergie, l'inventaire, développement urbain. Quartier de ville. Ça va faire augmenter l'espace de logement sur les 400 000. Ça, c'est intéressant. Ici, on peut mettre eh bien, c'est manufacture, sylviculture, carrière de pierre. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est quoi? Une manufacture encore. Alors ici, sylviculture. On peut acheter des engins explosifs pour faire sauter des carrières. Hein. Ici, on peut acheter de l'engrais également, ce qui est important. On peut avoir un scan de recherche idéon, une licence, un budget de recherche, un kit d'extension de ville. Il est déjà parti. Faut pas trop traîner, sinon. Bon, là. C'est involontaire, je vais le démolir parce que je voulais pas faire ça. Ici, on va pas rapporter grand chose en bois. Ici, oui, exploitation forestière, on va le faire quand même. Pas grand chose, mais bon. Alors ici, inventaire, infrastructure. Qu'est-ce que je peux prendre? Un entrepôt, j'en ai un. Une base de lancement, bah, c'est fait. Hein. On va mettre ici forêt de feuillus, forêt de conifères à l'altitude. Je ne peux pas trop le faire en première vue. Non. On va finir. Ici des fermes industrielles ou alors des fermes d'élevage. Il est revenu. Alors là, je vais gagner de l'argent. Voilà. Vendre son or, des mines, c'est très important. Ici, c'est quoi l'or? C'est ce que j'ai récupéré en bas. On va acheter une essence. Alors pour l'instant, ça avance tout doucement. Il faut laisser pousser un petit peu. On va acheter cette essence qui va nous permettre comme ça de récupérer des fruits. Quand même important ici. Là, je peux pas. Si, pour être feuillu.
Au niveau énergétique, on n'est pas très bon, donc j'aimerais bien faire autre chose au niveau de l'énergie. Turbine à gaz. Ça devrait le faire remonter. Voilà, plus 21 tout de suite. Par contre, on n'a plus de en or et en idéon. On n'a pratiquement plus rien. On va voir ça. Titanium. On en fait des choses là-dedans. Ah bah c'est néant, déjà un peu, mais j'ai rien à vendre. Ici, on va faire. C'est pas beaucoup, mais on va faire quand même. Cette pile de production. J'ai plus beaucoup d'argent. Ça augmente quand même. Demande de construire un district. Ah ça fait partie de nous. Ouais, ça va me rapporter de l'argent. Ici, ça coûte beaucoup d'argent. Ici, normalement, ça devrait pousser un peu plus. Je peux pas. Si, bon, il y en a un coup. Pas vraiment élargi, ou un petit peu. Si je peux rien faire. Qualité de vie. Ouais. On voit un peu par les émoticônes si on est content, si on n'est pas content. Ça c'est quoi ça? De toute façon, je peux rien faire pour l'instant. Espace vert, jardinage urbain, mur végétalisé, d'accord. Ici, il faudra attendre que ça repousse. Alors, on est à 400 000, on va essayer de développement urbain, quartier de la ville. J'ai pas beaucoup d'argent. En or, j'ai pratiquement plus rien. Ici, ça serait bien. Là aussi, c'est toutes des choses assez intéressantes à récupérer, mais pour l'instant, je n'énergie pas beaucoup. On va sur les 500 000 en habitants. Alors vous avez des messages, hein. Je peux revenir dessus. La navigation, pour l'instant on n'a que Catherine FM. Ici vous avez tout ce qui est possibilité de faire dans le jeu. Alors le sol. Zone de pêche, justement, pétrole, des poches de gaz, des veines d'uranium, les veines de charbon, les veines de minerai. Vous avez la pollution, contamination, nucléaire, et ratoule,
hydrocarbures, chimiques et contamination. Vous avez des grandes montagnes, des petites montagnes, des roches. Vous avez ici les coraux, les veines d'or, les caches d'Idéon, le temple. Et vous avez également les bambous, les forêts à champignons, les forêts de feuillus, les forêts de conifères d'altitude et les herbiers marins. Voilà. Alors, scanner un Ideon deposite, il faut en trouver. Ça n'est pas dans ma circonférence. Ça, c'est quoi ça? Ménage, on va miner ça. Partie, ça c'est l'énergie. Je ne sais pas si ça va me servir beaucoup. Là, je peux pas. Ici, ouais, je vais attendre que ça pousse un peu plus. On va assainir déjà. Ça me coûte beaucoup beaucoup d'argent pour assainir. Ça c'est embêtant. Et plus j'attends, et ben plus ça me coûte. Ça c'est quoi ça? Traitement du ciment. D'accord. On assainit. C'est pas la peine. On est à plus 4 en énergie. Turbine à gaz. Je vais en mettre une ici. Ah, il faudrait bander. Ici, c'est quoi? Alors, je suis super engrais, j'ai un scan de recherche dans mes réserves, c'est bon à savoir. Développement urbain, infrastructure, donc je laisse tomber. Alors, ici, on a un point. Alors, que ce soit au niveau manufacture, au niveau centre-ville, au niveau. Alors, ici. Turbine thermique, électrofiltre, cogénération. Ouais, ce serait peut-être bon de faire ça. Ça, c'est pas la peine. Ici, transport public, construction énergétique, générateur de bouclier. Qu'est-ce qui me fait. Alors, coucou, il reste seul. Alors, qualité de vie dans nos colonies. Ici, on peut améliorer conservation des espèces pour ferme d'élevage. Ce qui nous conseille. Extension de vue niveau 4. Et en retour, ici, on peut faire les serres. Ouais, grande consommation d'énergie pour faire de la production. La culture, on va dire. Transport public, moi j'ai bien envie de. Mais je peux pas le faire. Allez, on va acheter la licence concernant ça, et puis on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, un petit tour, ça c'est bon.
Ouais, pour des supermarchés. Alors, extension. Pour l'instant, je peux pas. On va finir déjà. Finissons. Choix. 21 000. Attendre un petit peu. Traitement du ciment, assainissement. Voilà, de toute façon, ah si, quand même, je peux vendre. Assainissement. C'est tout. Pas plus haut non plus. Donc j'aimerais bien m'agrandir un peu. Ici on pourrait faire pour être feuillu, ça coûte. Sylviculture, carrière de pierre. Une ferme industrielle, une serre. Alors on va mettre des serres ici, ça coûte 3 000. Alors on peut cultiver, énergie intensive, influence au niveau local. Bon, on va voir. Plus on vient industriel, bois, briques, nourriture, fruits, céréales et viande. Ça nous apporte une production positive. Le gaz également. Donc pour l'instant, c'est pas mal. J'aimerais bien aller récupérer. Bah, ici, il n'y a rien du tout dans l'eau. Moi, bon, je vais le faire. Dès qu'on peut s'agrandir un peu plus, ça nous permettra d'avoir de meilleurs biens. Serre, industrielle, ferme d'élevage, nous. Je vais mettre une ici. Alors, une serre, encore. Alors ici, on est toujours dans le positif. Alors des fruits, des céréales, des viandes. Ouais, on produit presque plus d'idéons. Un peu d'or. C'est tout. Là. Préparation, remise en état des terres, fertilité, croissance. Assainissement. Alors, on va vendre. Je vends, bonjour. Je les vends pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et si je veux en acheter d'ailleurs, là je vais acheter une essence. Et cette essence peut me servir à faire construire des centres commerciaux. Il rapportera sur la boutique bio ou sur les salles d'arcade. C'est à moi de voir. Alors, ici, voilà, centre commercial, tac, il faut améliorer, j'aimerais bien l'élargir ici pour aller dans les poros, ça serait pas mal.
Ici aussi, ça serait bien. Là, on va encore développer un quartier de ville. Ici. On va partir sur les 550 000, 600 000 habitants. Assainissement. Extension. Pour l'instant, je peux pas. Fini surtout au niveau des mines. Alors bonus d'expansion, 500 000 habitants. Une seconde cité. Alors autorisation d'atterrissage. Où est-ce qu'on va les mettre ça? Ici à côté. On va choisir. On va déjà diminuer un petit peu la vitesse. Ici il y a beaucoup à cultiver quand même. Ça c'est quoi ça? Non. Voilà ici. Voilà, ici c'est intéressant. Ou alors je vais beaucoup plus loin. La terre ici. Beaucoup de forêts. Ah, aussi, il y a peut-être des choses intéressantes. Allez. Nouvelle adélecone, soit aléatoire. Alors ici. Attention parce que j'ai plus beaucoup de sous. Minage, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Ah, ça pourrait être de l'idéal. On va miner ça. City Express. Ouais. Alors là maintenant il faudrait au niveau énergétique turbine à gaz. Et ça coûte. Alors, mais j'ai pas bien le choix. C'est la roche ici. Un autre temple. Une veine d'or. Ah oui. La veine d'or, ça m'intéresse. On va augmenter la vitesse. Popo. Ça c'est terrasé, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Plus 12 or, idiom. Ça aussi, si c'est de la roche, c'est rien de spécial. Ici, le bois, ça m'intéresse. La roche, on va encore attendre. Ici, développement urbain, quartier de ville. Aussi des montagnes. Veine d'or. On le fait. Parce que tout ça, ça va
ça va ramener d'argent. Oui, la mine d'or augmente. Ici, les biens industriels, les bois, les biens de consommation, les briques. Nous avons ici les céréales, les fruits et les viandes. En énergie, c'est le gaz. J'aurais bien aimé en énergie faire différemment. Pour l'instant, je ne peux rien améliorer de ce côté-là. On peut naviguer, donc je peux aller de ma première ville à la seconde. Voilà donc, pour cet épisode, on passera pour un second épisode en essayant de s'élargir le plus possible. Ici, par exemple, exploitation minière, assainissement. Voilà. Sur cet épisode, on aura possibilité d'acheter deux licences. Moi, je vous dis, mettez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour recevoir la suite de ce jeu et des Wargames et ainsi de suite. Merci, bonne journée, au revoir.